Voilà, Oui, on Joe. va recevoir notre invité avec le concours des auteurs. Miller Tchantou, Donald Dacep et Colin Sonthou a écrit pour Eric Fotso, Joseph Fotso, son nom de producteur, qui à son tour a un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatou, qui est également produit par ce qu'on appelle nommément le producteur, producteur du producteur. C'est la hiérarchie suprême. Elle est présidente du Canal d'Or. Elle s'appelle Madame Colette Chatou. Bonsoir. Yes. Bon lundi. Bon lundi. On reçoit. Ah, c'est super. On reçoit Tic Dengue. Web Humorist. Ah, c'est magique. Ah, c'est magique. Alors. Tic, avec plus de 700 000 personnes qui te follow sur Facebook, une centaine de milliers de personnes qui sont abonnées sur ton compte YouTube et des millions de likes sur Twitter, ben on peut dire que tu es une pépite qui est devenue une vedette établie en prince et qui sera peut-être un jour intronisée roi des réseaux sociaux. Alors, tu es nommément ce qu'on appelle un influenceur. Oui, vraiment l'un de ces rares gars qui donne un sens à être influenceur. Parce qu'avant, Beg, c'était ringard, mais depuis que tu es là, c'est tout le monde qui veut jouer au Beg. Ouais. Avant, être des fois nonchalant, c'était pas cool du tout. Mais depuis que tu es là, on trouve que c'est sympa. Et puis faire le con et bêter et tout ça, c'était vraiment nul pour un garçon. Et toi, tu as réussi à rendre tout ça cool juste parce que tu es un super personnage sur la toile. Alors, influenceur, tu t'es pas fait tout ça. Tu vois, les influenceurs, ils traînent ensemble. Tu travailles avec Cabrel, Moustique et tous les autres. Et tu as pris le temps de bâtir toute ta communauté. Rien ne laissait présager que tu serais retrouvé parmi les meilleurs humoristes sur la toile camerounaise. Quand on fouille un peu le passé, on voit un gars féru de mathématiques hein, qui se faisait chambrer par ses camarades parce qu'il était justement nonchalant. Mais fan de Didier Arafat et avec Internet à la portée, tu as trouvé le moyen de créer des choses hein, sur les phénomènes qui t'entourent et qui font ton quotidien. Par exemple, l'une de tes vidéos qui a les mieux marché, c'est l'eau. L'eau au baccalauréat. Il y a l'eau, il n'y a pas l'eau. Et tu as fait un buzz incroyable, incroyable au point de devenir pratiquement une référence, le visage que toutes les marques recherchent quand elles mènent des campagnes sur la toile. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de se construire une véritable carrière sans être jamais véritablement monté sur une planche, faire un sketch du début jusqu'à la fin, monter tout un spectacle? Oui, c'est vrai. C'est ça qu'on appelle un web humoriste. Les nouvelles plateformes existent, les nouvelles méthodes aussi, mais il y a toujours de l'autre côté une belle et grande audience. Ça va faire au moins 2 ans, la dernière fois que tu étais venu ici. Oui, au moins 2 ans que tu es venu. Et c'est clair, hein, que voilà, ça continue. Tu n'arrêtes pas de faire rire les abonnés, n'arrêtent pas de s'abonner. Tu n'arrêtes pas de fabriquer de temps à autre des buzz. Et c'est toujours sympa de pouvoir te recevoir. Bienvenue, Tic Dengue. Et Tic Dengue est notre invité ce soir. On va le recevoir dans un instant. Toi, tu passes le BPC et puis tu brûles ta tenue. Mais et Mélissa, et qui t'a dit qu'un second homme parle quand le matelot hein? J'ai envoyé un message à ceux qui sont venus me voler hier. Je vous ai encore gardé. Je vous ai gardé. Venez encore prendre et venez encore chercher. Non, même Highlander, gars, même si c'était Highlander, il devait être au monde. Non, c'est pas besoin de Highlander, c'est besoin de réalité. Je suis le boss, c'est manger. Réalité quoi? Boss, c'est manger. Pourquoi tu as fait les fouilles, là? Depuis du temps, tu ne m'aimes pas, pourquoi? Joe, les Besnel, maintenant, deviennent seulement gogo. Il te dit, gars. Gars, il vient un Besnel là-bas. Il est là-bas, gros. Lui, il peut avoir 2 places, mais il marche encore. Mais... c'est pourquoi nous, on s'en sort sur le fer. Non. Quand il faut qu'on s'en après, on a mal à la muscle. Les gars sont devenus bizarres. Ils prennent le poids, on ne sait même pas où ils mangent ou quoi. Ils prennent le poids, ils mettent encore les gros bousons dans ce. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous faites quoi comme ça? C'est l'argent de quoi que vous cherchez?
L'argent de quoi que vous non, cherchez? Non, regarde, c'est la vidéo. Attends, il y a pas de quoi. Attends. Oh. C'est la vidéo, ouais. C'est pas ça. Dans quelle vidéo? C'est la vidéo. C'est la vidéo de quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu vois, comme sur Facebook, les enfants, nous-mêmes aussi, on voulait aussi faire le buzz. Ma mère, contractrice de longue. La mère de Zizou. Oui, c'est ma marraine, tente même pas. Oh, ok, maman, tout à l'heure, cause, il n'y a pas de souci. Elle est dans son bureau avec les gens. Mmh. Elle travaille. Elle a Concrasse de longue, c'est la magie que tu fais. Fois. Oui, alors, monsieur. Mais monsieur, ça, c'est une violation. J'ai enlevé ton classement. Alors, monsieur, c'est l'ami du propriétaire du corps. Attendez, il n'y a pas de propriétaire du corps. Allô, bro. Madame, tu te testes mon entreprise ici. Il dit quelqu'un, la fille, elle te ment. Tu restes à ton téléphone, tu ne comprends pas qu'elle a fait mal. Mais ça, c'est pas la hey, magie. Chez toi, son père est parti en retraite. Il est parti en retraite, il avait les aérés. Il est avec nous sur ce plateau.